Pour certains, la vérité est inatteignable et même c'est un mythe. Et donc on n'atteint jamais que des opinions. Et c'est pourquoi pour beaucoup d'enseignants de philosophie, la plupart, enfin certains, se contentent d'exposer, on pourrait dire, la suite des opinions des philosophes sur telle et telle question. Est-ce que ceci est suffisant ? Ou bien y a-t-il une vérité que nous cherchons ? Nous abordons cette année la troisième saison dans ce cours d'histoire de la philosophie et j'aimerais brièvement au début de cette année reprendre l'intention dans laquelle nous essayons de travailler. C'est vraiment un travail parce que connaître un philosophe, ça suppose de le lire, d'essayer de bien saisir l'intention dans laquelle il écrit et ce qu'il cherche à nous faire comprendre. Et puis, c'est essayer de confronter notre propre recherche à la sienne. C'est-à-dire, ça suppose qu'il y ait une référence commune. On pourrait dire une mesure commune. Que dit-il de l'être humain ? Que dit-il du monde dans lequel nous sommes, que dit-il de la vie en communauté, la vie politique, que dit-il de la responsabilité de l'être humain, que dit-il de l'esprit, peut-être d'ailleurs l'esprit n'existe-t-il pas pour lui, certains philosophes contestent l'existence de l'esprit, est-ce que la mort est un terme? Ou est-ce qu'elle est la fin de tout? Est-ce que nous pouvons envisager une destinée humaine qui ne se contente pas du simple horizon, j'allais dire, de notre expérience immédiate? Est-ce que Dieu existe? Ceci est une question philosophique. Existe-t-il un être premier au-delà de l'homme? Ou bien l'homme est-il la réalité ultime qui existe? Et même, pour certains aujourd'hui, peut-être même est-il la pire des réalités, vaut-il mieux s'occuper des baleines? Un être évidemment beaucoup plus évolué parce qu'elle peut plonger très longtemps. Et donc, notre perspective, ce n'est pas de nous contenter d'exposer des opinions dans une espèce d'histoire, ou alors c'est la succession, et comme le dit Kant, nous l'avions déjà évoqué, dans une sorte d'affrontement, une sorte de champ de bataille, des opinions finalement multiples et toutes relatives. Ou bien est-ce que nous sommes nous-mêmes dans une attitude de philosophe, c'est-à-dire cherchant à connaître ce qu'est l'homme et cherchant la vérité, c'est-à-dire pouvons-nous dire quelque chose qui renvoie, qui corresponde à tel ou tel niveau d'ailleurs, nous y reviendrons, à la réalité même de l'être humain, de sa place dans le monde, de la manière dont les hommes interagissent les uns avec les autres, dont les hommes envisagent leur origine et leur fin, leur destinée. Est-ce que la liberté des choix de chacun est une réalité ou bien est-ce qu'elle est là aussi un mythe? Et donc, il y a bien ici une attitude philosophique pour aborder les philosophes. Et il y a donc ici, je dirais, une sorte de compagnonnage dont parle d'ailleurs déjà Aristote. On se souvient de ce grand texte du livre Petit Alpha de la Métaphysique. Tous disent quelque chose sur la nature des choses. Nul ne peut posséder la vérité, mais il la cherche, s'il est philosophe. Et nul ne peut la manquer tout à fait. Chacun dit quelque chose
Et on se souvient de cette belle remarque d'Aristote pour conclure cette réflexion. De la coopération de tous naît quelque chose de grand. Et donc c'est dans cet esprit, même si nous abordons un philosophe dont l'œuvre, et dont la vie, mais dont l'œuvre remonte à des temps très anciens, il ne nous en reste donc la plupart du temps que des documents, c'est-à-dire des écrits, à supposer d'ailleurs qu'ils ne soient pas perdus. Nous avons bien vu cela avec ce qu'on appelle les présocratiques, où il ne nous reste que des fragments. Donc nous pouvons, à travers l'œuvre que ce philosophe a laissée, établir un véritable dialogue. Et c'est d'ailleurs là, le mot dialogue est un mot qui vient du grec et qui veut dire littéralement parler à deux. Dialoguer, c'est bien coopérer, ce qui suppose d'abord de nous écouter. C'est pour ça que je disais lire un philosophe pour ce qu'il dit et ne pas vouloir l'interpréter sans l'avoir lu. C'est en ce sens qu'aujourd'hui, on répète quelquefois bien des choses, des conclusions sur tel ou tel philosophe, et on résume parfois, et c'est bien le monde dans lequel nous sommes si souvent, sa pensée à quelques slogans vaguement croisés au détour d'une anthologie de textes philosophiques pour préparer le baccalauréat. 15 textes, et voilà le sommet de la pensée. Non, la recherche de la vérité, dans un véritable dialogue, réclame, et c'est déjà très exigeant, une écoute réelle de ce qu'il dit, et non pas de ce que nous croyons qu'il a dit. Et ceci peut s'appliquer d'ailleurs au dialogue avec les philosophes vivants, c'est-à-dire tout homme qui cherche la vérité, que nous pouvons rencontrer. Écouter vraiment ce que dit quelqu'un, c'est très exigeant. Et non pas rester dans notre bulle, qu'elle soit dramatique, affective, fusionnelle ou fleur bleue, fleur blanche, bleu, blanc, rouge si vous voulez. C'est-à-dire nous écoutons avec un prisme, nous ne rejoignons jamais l'autre. Et de fait, c'est déjà très difficile. Écouter vraiment l'autre pour ce qu'il dit, ça suppose d'abord l'honnêteté fondamentale de ne pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, de ne pas lui faire faire ce qu'il n'a pas fait. Et si nous allons plus loin, voilà ce que dit tel homme de telle chose. Si cela nous interroge, tant mieux d'ailleurs. Cela suppose que nous allions à la source et que nous disions « Mais tu dis cela, pourquoi dis-tu cela ? Tu agis ainsi, pourquoi agis-tu ainsi ? Quelle est ton intention si du moins elle n'est pas celle d'une vache attachée à son piquet qui se contente de brouter, de ruminer et de faire du lait, c'est-à-dire d'agir instinctivement ? Si tu agis de façon humaine, tu dis cela, tu es conscient de ce que tu dis autant que possible. Pourquoi dis-tu cela? Pourquoi agis-tu ainsi? Quelle est ton intention? Et donc il y a ici, évidemment c'est plus difficile quand il s'agit d'un philosophe qui est du passé, parce qu'on ne peut pas l'interroger directement sur pourquoi dit-il cela, mais d'essayer de comprendre et de découvrir dans l'ordre de sa philosophie, et quelquefois c'est très explicite, pourquoi c'est ainsi qu'il réfléchit. Et peut-être ici l'élément historique peut nous aider parfois pour un philosophe du passé. Il philosophe dans tel contexte, confronté à telle expérience, à tel aspect de l'histoire humaine, et c'est ce qui a orienté sa réflexion d'une façon particulièrement nette dans tel ou tel domaine. On ne philosophe pas de la même manière si on se situe en pleine Athènes de Périclès, à l'âge d'or d'Athènes, mais somme toute, nous oublions que ce siècle du 5e siècle athénien a été largement un siècle de guerre. Et on ne philosophe pas de la même façon si on se trouve au 13e siècle, ou si on se trouve à l'âge moderne, par exemple avec Descartes au 17e siècle, ou bien si on se trouve confronté au développement des sciences dites exactes, ou alors à leur extrême développement au XXe siècle, au XXe et XXIe siècle. Les questions prennent des accents différents. Je dis ceci pour que nous fassions cet effort, bien sûr que dans un cours, surtout quand il est à distance, n'est-ce pas, et non pas en distanciel, commençons par parler français, ou en présentiel, non. Quand un cours, d'autant plus quand nous n'avons pas le contact direct, on ne
peut évidemment que donner quelques indications. Ce que j'aimerais, c'est que ce cours donne à ceux qui suivent de temps en temps telle ou telle intervention, donne le désir et le souhait de se plonger dans la lecture des philosophes et de faire cette confiance que même si quelquefois une œuvre est difficile d'accès, si nous cherchons vraiment la vérité, toute lecture philosophique peut nous apporter quelque chose, susciter notre réflexion, éveiller notre interrogation, susciter notre désaccord et comprendre pourquoi nous ne partageons pas la position de tel philosophe et pourquoi du coup telle conclusion nous semble inexacte parce qu'elle ne correspond pas à ce que nous essayons de comprendre nous-mêmes de l'expérience humaine. Il y a donc ici quelque chose de très important dans l'intention qui est la nôtre. Si nous sommes philosophes, lire un philosophe, c'est entreprendre un dialogue pour mieux voir les questions, mieux voir les difficultés, mieux voir quelquefois la complexité des choses que nous n'avions pas vues, et dans un effort commun vers la vérité, faire ce passage constamment de l'opinion qui peut devenir vite un a priori, à cette quête incessante de la vérité que nous ne pouvons jamais posséder, mais vers laquelle nous tendons toujours et que nous découvrons à des niveaux différents. Découvrir, ce n'est pas posséder. Personne ne peut posséder la vérité, mais nous pouvons découvrir quelque chose de vrai dans la mesure où nous dévoilons à l'étheia, où nous dévoilons quelque chose de la réalité de l'être humain. Nous reviendrons sur les grandes distinctions que la philosophie nous invite constamment à faire, ne serait-ce que pour assouplir notre esprit si souvent engoncé et amidonné dans des a priori qui nous empêchent en fait de rejoindre le réel. Et nous tournons en rond et nous continuons toujours dans les mêmes ornières. J'aimerais ici, j'ai cité Aristote il y a quelques instants, faire une brève référence à quelqu'un que nous aborderons un peu cette année, qui est saint Thomas d'Aquin, puisqu'il est au cœur de la pensée dite médiévale, je vais revenir là-dessus dans un instant. Et saint Thomas, dans son commentaire du traité du ciel d'Aristote, a cette très belle réflexion. L'étude de la philosophie n'est pas pour que l'on sache ce que les hommes ont pensé, mais de quelle manière se tient la vérité des choses. C'est dans le commentaire du Decello d'Aristote, au livre 1er, leçon 22. Donc c'est très très beau, hein, comme petit résumé. Saint Thomas est philosophe dans la mesure où il a travaillé la philosophie d'Aristote principalement, mais aussi il a dialogué avec le néoplatonisme, avec la pensée d'Avicenne, de Maïmonide, etc. Et saint Thomas connaît extrêmement bien l'histoire de la pensée. Et il fait cela, nous y reviendrons, en vue de son œuvre théologique. Mais quand il réfléchit sur ce que c'est que la philosophie, c'est très fort, parce que c'est là qu'il se manifeste bien comme un disciple d'Aristote. L'étude de la philosophie n'est pas pour que l'on sache ce que les hommes ont pensé. Donc, il ne s'agit pas seulement de rester à une opinion, mais de quelle manière, et en latin c'est qualitaire, donc il s'agit d'un regard qualitatif, qualitaire, c'est habeat veritas rerum, de quelle manière se tient, se comporte la vérité des choses. Et tout de suite, ceci évidemment renvoie à cette conception de la vérité qui est cette adéquation de ce que nous énonçons avec la réalité dont nous avons l'expérience. La vérité est d'abord dans les réalités, elle est ce qui est. La vérité, c'est ce qui est. Le vrai, c'est ce qui est. Tout ce qui est vrai, du fait même qu'il est. Et moi, dans ma pensée, dans mon intelligence cherchant à connaître, je suis vrai dans la mesure où j'énonce quelque chose qui est adéquat, je ne dis pas identique, adéquat, à la réalité telle qu'elle se tient en elle-même.
Si par exemple je prends ici une énonciation, c'est-à-dire un jugement, très simple, je dis « Pierre est assis » ou je dis par ailleurs « Pierre est mon ami » ou bien « Pierre est le fils de Paul », j'énonce trois jugements qui disent tous les trois quelque chose de vrai, si au niveau auquel ils se situent chacun d'entre eux, ils sont adéquats à quelque chose de la réalité. Pierre est assis, c'est un jugement d'expérience. Ceci est vrai pour autant que Pierre est assis et pour autant qu'il reste assis, scotché dans son fauteuil. Et si tout d'un coup Pierre se lève parce qu'il doit aller chercher quelque chose dans la pièce d'à côté et que je continue à énoncer que Pierre est assis, Pierre est assis, Pierre est assis et Pierre est assis et je tourne en rond, eh bien ceci devient faux parce qu'il n'est plus assis dans la réalité. Pierre est mon ami. Nous comprenons bien que cette vérité se situe à un autre niveau. Elle se situe au niveau de l'expérience morale et elle est le résumé, d'une certaine façon, de toute une expérience dans la relation que j'ai avec Pierre. Pour dire que quelqu'un est vraiment mon ami, ceci n'est vrai que si cela correspond à quelque chose d'extrêmement déjà développé dans la réalité affective et morale de ma vie. Comme le dit Aristote, si les gens ont le désir d'être rapidement amis, être réellement amis prend beaucoup de temps. Il faut avoir consommé ensemble une mesure de sel, c'est-à-dire ça a pris beaucoup de temps. Et donc ici, il y a une vérité d'un tout autre ordre que Pierre est assis. Et si je dis Pierre est le fils de Paul, j'énonce là une relation d'origine qui le situe dans une généalogie par rapport à une famille, etc., etc. Et cela me dit aussi quelque chose de Pierre qui est tout autre que la relation d'amitié que j'ai avec lui. Parce que, c'est pas étonnant, c'est le fils de Paul, maintenant je comprends quelque chose. Tel père, tel fils, hein, telle mère, telle fille, hein, et quelquefois, c'est l'horreur. Bon, quelquefois, non, mais quelquefois, oui. Donc ça dit quelque chose d'autre à un niveau naturel, d'éducation, de culture, et quelquefois de psychologie, etc. On sait combien la quête des origines inquiète le monde d'aujourd'hui. Moins les gens sont enracinés, plus ils cherchent leurs origines. Alors aujourd'hui, on fait ça à coup de génétique, hein, n'est-ce pas ? On regarde les 23 chromosomes et on vous dit que vous avez 10% de sang antillais. Bon, voilà. Donc, c'est ce qui explique vos cheveux frisés. Donc, voilà, très bien. Ça dit quelque chose, non pas de la personne, ou oui, du conditionnement de la personne quant à son origine, qui fait que parce qu'elle a été éduquée ainsi et qu'elle a telle origine, eh bien, il y a des réactions primo-primi qui sont parfois celles-là. Voilà. Mais ça ne dit pas la finalité unique de cette personne. Ça dit quelque chose de la manière dont elle cherche à l'atteindre, étant donné le conditionnement qu'elle porte et qui est le sien. Donc voilà. Tout philosophe est philosophe dans la mesure où il cherche la vérité sur l'être humain et en dit quelque chose à tel ou tel niveau. Alors il y a la vérité de l'expérience, il y a la vérité des principes, il y a la vérité des conclusions, etc. Donc comprenons bien que même si ceci se fait d'une façon très, on pourrait dire, artisanale, hein, et assez rapide, même si nous prenons le temps, mais dès que nous abordons un philosophe sur l'ensemble de l'histoire de la pensée, ben, c'est un peu toujours, comment dire, schématique de devoir aborder Saint-Augustin en quatre cours, Héraclite en un cours, enfin voilà, c'est un peu pitoyable. Mais ceci nous apporte malgré tout quelque chose, dans la mesure où nous essayons de nous servir de cela pour découvrir, en allant le travailler, le lire, etc., ce que ce philosophe nous apporte et nous invite à comprendre dans un dialogue que nous entreprenons avec lui pour mieux comprendre ce que c'est que la personne humaine. Alors nous avons, dans les deux années précédentes, commencé ce long itinéraire, hein, et j'aimerais très rapidement reponctuer les choses pour que nous puissions tout de suite, dès la fois prochaine, nous avoir le pied à l'étrier, si je puis dire, pour aborder une nouvelle grande période de l'histoire de la pensée, hein, qui nous occupera, si je puis dire, une grande partie de l'année. Première remarque, hein, bien sûr, ceci n'est pas non plus exhaustif quant à l'histoire du monde. La philosophie chinoise, la philosophie indienne, d'abord pour vraiment les connaître, il faudrait pouvoir les lire dans leurs textes originaux, et je ne suis de loin pas spécialiste de cela. Donc,
ce qui m'intéresse avant tout, et c'est là que nous avons commencé, et j'avais fait cette remarque très intéressante en citant cet auteur qui me semble très intéressant, la philosophie par le grec. C'est cette phrase assez remarquable de Léon Robin dans son Histoire de la pensée grecque. Oui, la philosophie par le grec, c'est un fait, et pour notre Occident en tout cas, la Grèce antique est pour nous le grand point de départ de la philosophie qui naît en se distinguant peu à peu des traditions religieuses, de la rhétorique des sophistes, de la poésie d'Hésiode ou d'Homère, du théâtre tragique en particulier. Tout ceci étant comme des lieux dans lesquels l'homme se pose déjà une quantité d'interrogations sur qui est-il, d'où vient-il, quel est son sort, quelle est sa liberté, quelle est sa destinée. Et donc, bien sûr, la figure centrale de la philosophie grecque, nous y étions arrêtés suffisamment, c'est bien sûr celle de Socrate. Et c'est pour ça qu'on a dit classiquement, même si ceci est un peu artificiel, et ça remonte finalement à une historiographie philosophique du XIXe siècle, on a parlé par exemple des philosophes pré-socratiques, Socrate, et puis ce qui vient après Socrate, ceci pour signifier que Socrate est bien une figure majeure, dans la mesure où il souligne que la philosophie s'intéresse avant tout à l'homme. Mais ce qui est un peu artificiel, bien entendu, c'est que les pré-socratiques n'avaient pas pensé que Socrate allait arriver. Donc c'est nous qui, en historien, les situons avant Socrate, très bien. Mais si nous prenons un ordre vraiment génétique, eh bien ceci est un peu différent. Parce que nous voyons combien la philosophie s'est très vite orientée dans une quantité de directions très différentes, sur l'univers, sur l'immortalité, sur l'agir humain, sur la politique, etc. Et chacun de ces philosophes de l'Antiquité grecque ont développé des réflexions qui sont originales. Et une des manières très intéressantes de les aborder, c'est de découvrir comment chacun a mis en lumière tel ou tel aspect, et notamment se laisser traduire dans, on peut bien dire cela, une certaine invention d'un langage philosophique. À quel moment apparaît le verbe « être » dans la pensée grecque? À quel moment intervient le « logos » À quel moment intervient le « nous » À quel moment intervient la « polis », la cité? À quel moment parle-t-on de l'univers comme un tout, « pan » ou au contraire comme un tout ordonné, « cosmos » Ceci est très intéressant à regarder. Socrate est une figure centrale parce que, devant les sophistes, il rappelle la dignité de l'être humain et la dignité de la philosophie, qui ne peut pas se ramener à un simple discours rhétorique destiné à briller pour obtenir le pouvoir et l'argent. Et donc Socrate est quelqu'un qui, par conséquent, va se concentrer sur la figure de l'homme. « J'ai une sagesse humaine », dit-il, et sur l'agir de l'homme qui doit, dit-il, cultiver son âme et rechercher l'excellence. On a traduit par la vertu, mais le mot vertu, nous y reviendrons, est restrictif par rapport à l'arrêté grec. Arrêté, c'est le même mot que Aristone, que Aristotélé, etc. Ça veut dire ce qui est le meilleur. Donc l'excellence. La philosophie doit a une dimension pratique chez Socrate, parce qu'elle est un effort d'intériorité et d'analyse, de compréhension de ce que nous faisons et de la manière dont nous agissons, en vue de mieux agir. C'est ce que reprendra Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, et par là il se dit plus proche de Socrate que Platon ne l'a été. La philosophie dite pratique, elle n'a pas pour but de savoir ce que sont les choses, mais de les comprendre pour mieux agir. Donc Socrate est bien une figure essentiellement humaine, humaniste, et un homme qui cherche le bien de l'homme et qui, par le fait même, voit sa mission comme celle d'un éducateur qui rappelle à l'être humain la grandeur qui est la sienne. Après Socrate, nous avons bien les deux grands sommets, et qu'il ne faut jamais séparer, parce que l'un a été le maître de l'autre pendant 20 ans, c'est bien sûr Platon et Aristote.
Et ensuite, nous avions vu cela, il y a 2 ans déjà, les grandes écoles qui naissent dans la pensée grecque, que sont le stoïcisme, avec les périodes successives du stoïcisme, le stoïcisme ancien, le stoïcisme dit moyen, et le stoïcisme tardif ou impérial, parce que le dernier à développer cette position est Marc Aurèle, l'empereur Marc Aurèle, et donc après le Christ. Et donc on voit bien combien il y a ici cette espèce de succession des écoles, l'épicurisme par ailleurs, et puis bien sûr, nous avions vu ça l'année dernière, l'importance du néoplatonisme à travers 3 grandes figures, mais la principale étant celle de Plotin, mais bien sûr, le néoplatonisme, nous y reviendrons cette année, parce que nous savons combien il a eu une influence, là aussi, très importante dans toute la suite de la pensée philosophique. Deuxième grande question que nous avions brièvement évoquée l'année dernière, ce auquel nous allons revenir un peu cette année, c'est le passage de la Grèce à Rome, du monde grec au monde latin, et ceci est évidemment très important pour nous parce que l'Occident s'est avant tout développé comme Occident latin. Il y a bien sûr la figure de Cicéron qui transpose, mais ça n'est pas très puissant au niveau philosophique, c'est évident, mais du côté du langage, Cicéron est quelqu'un qui a transposé une quantité de choses de la pensée grecque dans la langue latine. Et quelqu'un que nous allons aborder la fois prochaine, qui vient au 5e siècle et début du 6e siècle, c'est Boès, que l'on appelle couramment le dernier des Romains et le premier des médiévaux. Dans la mesure où Boès, nous verrons son œuvre la fois prochaine, est quelqu'un qui sera, à travers notamment son ouvrage, son chef-d'œuvre, qui est le De Consolatione Philosophiae, qu'il a écrit en prison, son chef-d'œuvre sera commenté durant toute la pensée, mais tout le Moyen-Âge. Et aussi ses ouvrages théologiques, on sait par exemple que Thomas d'Aquin a commenté le De Trinitate de Boès, et que ceci a eu une grande importance. Donc, nous situerons ça la fois prochaine. Mais le passage de la Grèce à Rome est quelque chose qui se fait de façon très longue, de Cicéron jusqu'à Boès quasiment, sans oublier ce que nous avions évoqué largement l'année dernière, la place évidemment majeure de saint Augustin comme le grand docteur d'Occident du point de vue théologique, mais qui a aussi fréquenté la pensée philosophique principalement à travers l'étude qu'il en a faite, dans la lecture des ouvrages de Cicéron et aussi l'étude de la rhétorique latine et romaine, qui transmet non pas comme tel une pensée philosophique, mais qui charrie aussi bien de la poésie que de la philosophie dans des ouvrages que lui a surtout pratiqués sur le plan de la rhétorique. Ceci, évidemment, comporte comme des chevauchements, puisque dès le 1er siècle, bien évidemment, la pensée tant grecque que latine a été, et nous l'avions vu l'an dernier, et nous poursuivrons ça cette année, confronté tant au judaïsme, déjà nous l'avions vu avec Philon d'Alexandrie, que au point de départ du christianisme, avec l'âge apostolique et surtout par la suite l'âge des pères de l'Église, les pères apologètes, puis les pères apostoliques, puis les pères apologètes, et puis peu à peu nous verrons cela. Les grands docteurs médiévaux, saint Augustin d'une certaine façon est le grand père de l'Église latine, et en même temps un docteur majeur sur le plan spirituel. Donc ceci bien sûr va se prolonger tout au long de ce qu'on appelle classiquement la pensée médiévale, qui va aussi être confrontée à une nouvelle problématique avec l'apparition de l'islam au 6e et 7e siècle, et notamment les grands philosophes du début de l'islam, en particulier évidemment la pensée d'Avicenne et d'Averroès. Mais nous viendrons là-dessus, parce que évidemment, dès qu'on parle de Moyen-Âge, on se situe déjà avec une certaine perspective. Et donc, c'est ça que nous allons aborder cette année. Ce que l'on appelle classiquement la pensée médiévale, mais ça suppose de nous poser cette question, qu'est-ce que c'est que le Moyen-Âge ? Et on sait combien ce terme
qui apparaît assez tardivement au XVIe siècle. Au moment où on est dans la Renaissance, on voit le Moyen-Âge, puisque la Renaissance veut revenir à l'Antiquité comme un âge moyen, c'est-à-dire intermédiaire. Et on sait combien le Moyen-Âge, tel qu'on l'appelle maintenant, a été vu d'une façon péjorative par toutes, à partir de la Renaissance d'une certaine façon, et puis surtout par ce qu'on appelle la pensée moderne. C'est pour ça que certains vont jusqu'à dire que ce qu'on appelle classiquement le Moyen-Âge, c'est le point de départ de la pensée moderne, ce qui sera vrai principalement au XIIIe et XIVe siècle, mais on veut dire qu'il y a quelque chose qui apparaît de façon nouvelle. Donc en fait, on veut casser, hein, et on a peut-être raison, cette façon de voir la période du 5e, 6e siècle jusqu'au 13e, 14e siècle comme un âge moyen dont il ne sort finalement rien. On entend encore aujourd'hui, c'est triste à dire, mais enfin c'est ainsi, hein, ces slogans parfaitement ineptes, hein, l'obscurantisme moyenâgeux, il est grand temps de laisser de côté l'âge des cathédrales et ainsi de suite. Bon. Donc on a quelques vagues notions tout à fait simplistes, mais finalement on connaît très peu, hein, la complexité immense de cette période. J'aimerais ici, hein, citer un philosophe contemporain qui s'exprime de la façon suivante et qui du coup propose une hypothèse intéressante. Pour, d'une certaine façon, nous reviendrons là-dessus, hein, comprendre la richesse et l'extrême diversité, hein, de la pensée dite médiévale. C'est comme finalement, vous voyez ce que je disais à propos de Socrate, Socrate et les présocratiques, la Renaissance et le Moyen-Âge. Donc on le voit, hein, par opposition à, et la Renaissance étant un retour à l'antique, hein, tant du côté artistique que du côté de la pensée, ce qui bien sûr a eu un avantage, c'est qu'on a redécouvert des textes qu'on avait un peu mis de côté, oubliés. On voit le Moyen-Âge comme une espèce de période intermédiaire qu'on ne comprend que, hein, comme quelque chose que l'on a enfin quitté, hein. Enfin, on quitte un âge obscurantiste, alors que le Moyen-Âge, dans son ensemble, est tout sauf cela. Notamment, nous verrons cela, il a connu des âges d'or tout à fait extraordinaires. Alors, je cite, hein, ce philosophe, « L'expression philosophie médiévale est trompeuse. Elle postule l'unité du Moyen-Âge. Cette unité n'existe pas. À tout ramener à la forme de la somme, alors ça nous reviendrons, hein. Il y a bien un moment où il y aura une organisation du savoir sous forme de somme, c'est principalement la fin du XIIe et le XIIIe siècle. Ce qu'on appelle les sommes théologiques, on connaît principalement bien sûr celle de saint Thomas, mais il n'y a pas que celle de saint Thomas. Et l'âge dite des sommes, qui correspond d'ailleurs à l'âge des cathédrales dites gothiques, encore une expression tout à fait fausse, puisque l'art gothique est plutôt l'art français. Donc c'est principalement dans la France du XIIIe siècle que cet art dit gothique s'est développé. Et donc on identifie le Moyen-Âge aux sommes, alors que les sommes sont une certaine reprise d'une tradition sous une forme précise que nous essayons de comprendre et qui n'est pas exclusif de ces développements extrêmement longs qui ont conduit jusque-là. Il y a bien un âge du XIIIe siècle, tout à fait particulier, mais il est aussi le fruit d'une très longue maturation, d'un très long cheminement dans lequel les philosophes et les théologiens de ces périodes successives du Moyen-Âge, dans un contexte à la fois très varié et très riche, ont peu à peu élaboré. Alors je continue, hein, à tout ramener à la forme de la somme et à l'idée d'un savoir clos, total, figé, indéfiniment transmissible et répétable en l'état, la néoscolastique du XIXe siècle a, dans sa volonté d'y trouver une parade à la montée du modernisme, largement contribué à exclure le Moyen-Âge de la culture moderne et contemporaine. Caché derrière l'arbre thomiste, une forêt de 1000 ans a ainsi fini par disparaître. Et ici, je voudrais terminer là-dessus, parce que, n'est-ce pas, nous sommes à la veille de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et on sait que la forêt, hein, a disparu, c'est-à-dire, la forêt, c'était cette charpente qui, pour le coup, n'avait pas bougé depuis la construction.
Eh ben là, c'est parti en fumée, terminé. Alors, j'aime bien ce parallèle. Hein. Une forêt de 1000 ans a disparu derrière une image du Moyen-Âge complètement fausse, qui est en fait apologétique et qui relève de l'âge néotomiste. Et malheureusement, ce néotomisme n'est jamais tout à fait mort. Il ressuscite de temps en temps, il a quelques soubresauts. Hein, on pensait qu'il était défunt, enfin, de temps en temps, il a quelques respirations spasmodiques. Et on revient toujours à cette perspective apologétique, etc. Hein, et comme si le christianisme se tenait par lui-même. Or, il ne faut pas confondre la foi chrétienne et la culture chrétienne. Et c'est pour ça que c'est très intéressant que, tel que c'est dit ici, hein, vouloir figer la pensée médiévale dans l'état d'une somme qu'on répète et que l'on défend bec et ongle comme un outil apologétique face au modernisme dont on a peur par définition, eh bien on a complètement perdu de vue cette extrême richesse et cette espèce de floraison et cette profusion extraordinaire que représente la succession des périodes que l'on rassemble sous le mot Moyen-Âge. Mais ça va du VIe siècle jusqu'au XIVe, XVe siècle. Le XIVe et le XVe étant des siècles charnières dans lesquels se noue et peu à peu s'annonce ce qui se développera avec la Renaissance et l'âge moderne. Donc nous essaierons de comprendre, bien sûr on ne peut pas regarder tout, hein, mais quelques aspects de cette succession extraordinaire qui aboutira certes à cette richesse extraordinaire du XIIIe siècle, qui est loin d'être uniforme. Le XIIIe siècle a connu des disputes et des débats extrêmement virulents, hein, ne serait-ce que la querelle des universaux, qui a duré presque un siècle et qui remonte déjà aux positions de Boès, la querelle de la... Qu'est-ce que c'est que la pensée humaine, par conséquent, hein, la querelle de l'avéroïsme latin, c'est-à-dire les rapports entre la matière et l'esprit, etc., la manière dont on voit l'organisation politique nouvelle parce que les cités prennent leur indépendance et qu'on quitte l'âge féodal pour arriver à l'âge des communes, tout ceci a suscité une réflexion notamment politique extrêmement vivace. Qu'est-ce que c'est que la liberté humaine? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir de l'Église par rapport au pouvoir politique, etc. La fameuse querelle des deux glaives, tout ceci est tout à fait emblématique de cette grande période. Donc nous essaierons de comprendre comment cette philosophie et cette théologie médiévale se développent peu à peu, hein, dans des directions tout à fait étonnantes et qui sont importantes, qu'il est important d'essayer de comprendre et d'étudier.